Non, pour toutes les façons. On revient après les mains et puis. T'as bien fait? Bien fait quoi? J'ai pas suivi ce que tu viens de dire. On revient entre les mains de Dieu. Bouge-toi. Il a déjà tout fait. Je Arrêtez sais. ce truc-là. Je sais qu'il Il a a tout déjà fait. tout Je sais fait. qu'il a tout fait. Je Tu sais. sais, tu as fait l'exercice de noter ton tes objectifs et visualiser. Tu l'as fait. Non, non, parce que c'est justement ça qui est un problème. Parce que justement. Parce que je pense pour mon business 24 sur 24, il y a d'autres choses que je fais. Ça n'a aucun rapport. Faut Ça n'a aucun visualiser, il rapport. faut du temps. Faut rester là et visualiser. C'est le temps qui part. Pendant que je fais de rester et visualiser. Tu vois donc, tu vois, voilà pourquoi tu as les problèmes que tu as. Mais moi, je visualise tout le temps. Tout le temps, que tu sois dans le taxi, que tu sois en marchant, que tu sois Ok, en parlant, que tu ok. sois à la télé. Je t'ai posé la question. Le simple fait que, comme tu parles, tout ce que tu as dit depuis qu'on échange les deux, ça prouve que tu ne fais pas les exercices. Si tu Mais le ouais. faisais, si tu le faisais, ton cerveau, ton cerveau, Allez, vite réfléchir. comment, pas forcément vite réfléchir, mais aller mieux percuter ce que je dis. Parce que tu sais dire exactement ce que tu veux. L'autre jour, je suivais un truc. Un gars, c'était son dernier, comment on va dire ça? Sa dernière chance pour faire un, tu sais pas trop quoi. Il ne savait pas comment on fait ça. Il savait qu'il fallait qu'il le fasse parce qu'il avait perdu sa femme, il avait des enfants nourris et tout. On était sur le, il était sur le point de perdre sa maison et tout. Parce que tu sais que, comme, comment on dit ça, ils prennent les emprunts à la banque pour payer la maison et tout. Des trucs comme ça, quoi. Nous, on était sur le point de. Il savait que tout ce qu'il avait à faire, c'était simplement faire marcher le truc. C'était sa dernière solution. Et sa raison, c'était, son pourquoi, c'était que ses enfants aient un toit. Ils aient où vivre, qu'ils vivent bien. Et il savait que c'était le seul moyen pour pouvoir le faire, c'était ce qu'il a commandé, du moins pour lui, quoi. Il connaissait rien à dire, c'est donné tout. En 6 mois, sa vie a complètement changé. Il n'avait pas d'argent. Toi, tu as un toit, tu as mangé le matin, tu as mangé le soir, tu peux sortir, tu es belle, tu as les endroits où tu peux aller travailler. Lui, ce n'était pas le cas pour lui. Pas le cas pour lui. Ce que je vous demande souvent de faire, ça semble être anodin, mais Dieu lui-même, il demande de faire ça dans la parole. Est-ce que tu as noté ton objectif? Et déjà, si c'est que tu as déjà même plus de 5 objectifs gros au cours de l'année, c'est que c'est un problème. Tu vas voir comment. Non, 2, 3. Les gros, je parle de conséquents, parce que le reste, en fait, c'est juste. C'est. Les bourratifs. Non, non, ceux qui doivent suivre, ce sont les objectifs sous-jacents à l'objectif principal. C'est un peu ça, quoi. Mais si tu as plus que ça, c'est que c'est un problème, quoi. C'est que c'est un gros problème. Et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande, ça demande, ça demande. Le mindset et le focus sont très importants dans tout ce qu'on fait, qu'on le veuille ou pas. Et le problème que vous avez, vous dites, c'est pas l'argent. Moi, je n'ai pas un problème d'argent. C'est, oui, justement, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est ça. Même maintenant, là, tu peux le faire. Tu peux trouver la solution cette semaine, mais c'est que tu ne crois pas que tu puisses le faire. Et ce qui est bizarre, quand je te demande de faire ça, moi, je sais que tu ne le fais pas. Parce que si tu le faisais, entre la dernière fois, quand on a parlé, aujourd'hui, ouais, il y a eu beaucoup de changements. C'est même toi qui m'as parlé tout le temps que, car, il y a telle chose, il y a une fois là, est-ce comment on fait ici, comment? Il n'y a pas de. C'est toi qui décides, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ça. Si tu si rentres aujourd'hui, tu fais cet exercice, tu notes ton objectif, c'est avec le chiffre d'affaires précis que tu vas avoir, avec la marge et tout, tout. Tu te donnes une deadline. Tu dis, ok, tu veux le faire dans l'année qui suit. Donc, tu as 365 jours pour atteindre cet objectif-là. Tu fais un vision board, une image qui représente cet objectif-là, ou bien ces objectifs, si tu en as plusieurs. Puis tu écris tes confessions tous les matins, tous les soirs. La première chose quand tu te lèves, c'est ça que tu vois. La dernière chose que tu vois quand tu te couches, c'est ça. Ton cerveau va commencer à s'habituer à ça. Ton cerveau va s'habituer. Tu vois, la dernière fois quand vous avez fait le truc ici, là et tout, je me rappelle quand vous me parliez des tarifs, des trucs ici, tu disais que tu voulais faire, c'est quoi, 500 et tout. Tu vas faire combien? Tu ne croyais pas. Le t'a forcé carrément à mettre un prix 4 fois plus cher, quoi. Est-ce que les gens n'ont pas réglé? Comment tu t'es senti après ça? Bien. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire plus que ça?
Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire plus que ça? C'est simplement parce que le conditionnement dans lequel tu es jusqu'ici là te montre le contraire, c'est tout. Va, lève-toi, tu vas appeler cela. Tu vois combien on achète un verre de truc. Est-ce que c'est mieux que ce que tu fais? Et même si c'était mieux, ce ne serait pas un problème. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que l'état d'esprit dans lequel tu te trouves façonne les actions que tu mets en place, quoi. C'est une suite logique. Donc, si tu fais cet exercice tous les matins, si tu as fait par exemple tes confessions, là, tu te lèves le matin, je suis Israël, je gagne tel montant, j'ai mon entreprise de ceci, je fais, je suis. Je fais ça le matin, le soir, après une semaine, tu vas commencer à noter que ton cerveau va commencer à changer, ton mind va commencer à changer. Et tu vas voir que les choses que tu ne voyais pas avant, tu vas commencer à les voir différemment. Tout ce dont tu as besoin, tu les as maintenant. Tu as tout pour passer au next level. Tu as tout, tout ce dont tu as besoin. Il ne te manque rien là maintenant. Là. C'est juste qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'on n'a pas lieu de regarder ce qu'on a.